de slip. Je ne suis pas de la maison. Madame Irène ! Non, non, oui? Non, c'est pas la peine. Monsieur, vous désirez quelque chose ? Deux chemises, s'il vous plaît. Ne dérangez pas. Ils sont beaux, n'est-ce pas? Oui, oui. Oh, attendez, ce n'est pas votre taille. Si, 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 c'est ma taille, c'est du 42. Ah non, c'est du 44. Ça me va aussi. Mais c'est mieux même. Mmh. Bon, et passez-le vite, je vais vous faire le bas. Là. Très bien. Mais non, monsieur, bah, c'est le 42. Non, 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 il, je les porte comme ça, même. Je suis plus... vous voyez, c'est... Ah bon? Bon, ben, je vais les mettre avec les chemises. Non, non, je le garde sur moi. Je voudrais deux slips. Non, non, chemise, j'ai ce qu'il faut. Non, 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 non. Non, ce que j'aimerais, c'est deux slips. Et vite, deux slips. Oui. C'est vrai? Taille 42? Non, non. Bonjour, madame. Deux slips, vite. Pardon? On est entre hommes. On a son franc-parler, non? J'ai dit deux. De quoi? 42. 42 quoi? 42... Slips. 42 slips. 42 ou 44, mais deux. Françoise! Monsieur veut des slips! Un ou deux. Avec ou sans pâche? Oui, oui. Bikini ou droit? Oui, aussi. Coton ou synthétique? Deux. Quelle taille? Du 2. Du 2? Ça m'a l'air petit. Ce serait plutôt du 4. Ou du 2 ou du 4. Hilda? Oui. Pour monsieur en slip, c'est du 2 ou du 4? Du 2. Il est un peu comme Jean-Jacques. Oh non, penses-tu? Autant Jean-Jacques a la taille masse, autant monsieur est fort du bassin. Il n'est pas fort du bassin, il a les épaules étroites. Il n'a pas les épaules étroites. Et puis tu compares à Jean-Jacques qui est foutu comme un dieu. Tu vas pas te mettre ça, tu as l'air ridicule. Vous désirez autre chose? Monsieur! Monsieur! Monsieur, vous avez oublié vos slips! Après cette première victoire remportée sur moi-même et sur ces commerçants hostiles, je rêvais de rencontrer Agnès, là, tout de suite. Je me sentais capable de l'aborder à la hussarde et de conquérir d'un seul assaut cette citadelle imprenable.